Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Spirit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va consister à faire un scope builder donc sur FIFA 15, une BPL pour un peu plus de 100 000 crédits je pense, sur Xbox One. Après sur PS4 et PS3 je ne sais pas trop combien ça coûte, je pense un peu plus de 150 000 crédits, je pense, et sur PC ça doit pas être loin des 200 000 crédits. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Donc je tenais à vous dire déjà que la formation c'est du 4-5-1, une formation très très bien, pour cette BPL. Aussi je voulais vous dire que certains joueurs je les ai eu dans les packs, certains gros joueurs je les ai eu dans les packs, donc ne vous étonnez pas, j'ai pas eu autant de crédits que ça, même si j'ai fait pas mal d'achats-reventes, et ce qui m'a permis d'acheter pas mal de joueurs. Donc le gardien, on va commencer tout de suite avec Joe Hart. Joe Hart acheté pour... je l'ai pas acheté, je l'ai eu dans un pack, ça commence bien. Je l'ai eu dans un pack, mais j'ai vu son prix, il coûte environ 8000 crédits. Donc il faut quand même sortir les crédits hein, pour ce joueur. Bon, il est énorme, ça c'est vrai, il est énorme. 1m96, hein, déjà il est très grand. 85 de plongeon, 86 de réflexe, 59 de vitesse, 79 de positionnement, 79 de dégagement et 76 de jeu de main. Il est vraiment très complet, il est vraiment très bon. Si vous n'avez pas les crédits, je vous conseille Tim Howard aussi, qui est très très complet, en gardien de BPL. Ensuite, en défenseur central, nous avons John Terry. John Terry acheté pour 3800 crédits. Il coûte environ, ouais, c'est ça, dans les 3800 et 4500 crédits. J'ai fait une bonne affaire quand même, je l'ai eu assez peu cher, on va dire ça comme ça. Donc ce joueur est vraiment très bon, il se laisse rarement bouger comme vous voyez avec sa stat de physique, hein, 80 et 84 de défense, et ouais, voilà, c'est un peu tout parce que les autres stats on lui demande pas trop, à part la vitesse qui est un peu son point faible, hein, il est pas très très rapide. Mauvais pied 4, même s'il a que 47 de tir, hein, c'est assez dommage, il a 4 étoiles de mauvais pied même s'il a que 47 en tir, c'est dommage. Donc voilà, ensuite le deuxième défenseur central de cette équipe sera Smalling, donc Chris Smalling, le joueur de Manchester United, 1m92, donc 74 de physique, 80 de défense, 62 de dribble, 78, oui c'est ça, de vitesse, 28 de tir et 54 de passe. Franchement ce joueur est très 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 complet. Je vous le recommande, il coûte environ dans les 2000 crédits je crois sur Xbox. Donc 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles gestes techniques, pardon. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu bas. Mais bon, on lui demande pas trop de skiller, hein, surtout pour un défenseur central. Donc voilà, il est très 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 bon. Il m'a fait 2 passes D sur 5 matchs, donc c'est vraiment pas mal. En défenseur gauche, nous avons le défenseur gauche de Manchester United, qui n'est autre que Alexander Kolarov. Bien avec l'accent de russe. Donc 1m87 avec 78 de physique, 78 de défense, 55 je vais me faire trucider dans les commentaires. 75 de dribble, pardon, 68 de vitesse, 70 de tir et 77 de passe. Donc 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles gestes techniques. Il est vraiment très bon. Surtout au niveau des coups francs, j'en ai pas mis avec lui, mais... Enfin, si, j'en ai mis avec lui, mais j'ai pas record au moment où je mettais des coups de pierrette avec lui. Il a vraiment une très bonne stat de puissance, surtout en coups francs. Une très bonne stat aussi d'effet, il me semble. Ou non, ça doit pas être l'effet, mais c'est une stat aussi en coups francs qui l'a très très bonne. Donc acheter pour 1200 crédits, c'est vraiment rien pour ce joueur. Achetez-le, il en vaut vraiment le coup avec son 1m87. Il est vraiment très physique et il m'a mis 2 passes D et 3 buts en 23 matchs, donc c'est pas mal pour un défenseur gauche. Alors en défenseur droit, nous avons Walker, le joueur d'Everton, de Tottenham si je ne m'abuse. Kyle Walker, Luke Skywalker, non il est quand même une petite blague à part. Donc 31 matchs joués avec moi, 1 but et 4 passes D. Bon, c'est vrai que je l'ai pas trop vu moi sur le terrain. 91 de vitesse, 72 de dribble, 76 de défense, 80 de physique, 71 de passe, 63 de tir. Il a des stats vraiment très très complètes, surtout sa vitesse. C'est ça son grand atout. 1m78, donc avec quand même 80 de physique, c'est vraiment hyper bien. 2 étoiles de mauvais pied, 2 étoiles gestes techniques, mais bon, comme je vous l'ai dit, pardon, ce n'est pas son but de skiller ou de tirer.
Ensuite, en milieu central, nous avons Cesc Fabregas, donc, que j'ai eu aussi dans un pack, j'ai eu de la chance. Il vaut entre 20 000 et 25 000 crédits sur Xbox, si je ne m'abuse. Donc 68 de vitesse, 81 de dribble, 79 de tir, 64 de défense, 63 de physique et 88 de passe. Que dire de ce joueur, il est juste magnifique. 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. C'est un peu dommage qu'il ait que 3 étoiles geste technique, surtout avec 81 de dribble. Ensuite 5 matchs joués avec moi, 1 but et 2 passes D, c'est vraiment pas mal. Franchement il reste assez haut, donc c'est bien pour les contre-attaques. Et voilà, achetez le joueur si vous avez les crédits, sinon achetez Ramsey aussi, qui vaut assez cher. Mais je pense qu'en faisant 2 jours d'achat-revente, je pense que vous pouvez vous le payer facile, voire avec un autre joueur assez cher. Donc voilà, ensuite nous allons passer au milieu droit de cette équipe qui n'est autre que Willian. Donc Willian, hein, que dire de ce joueur, il est juste fantastique. Je l'ai dans les packs aussi, oui, j'ai encore eu de la chance. 89 de vitesse, 87 de dribble, 50 de défense, 63 de physique, 78 de passe, 73 de tir. Il est juste formidable ce joueur. 4 étoiles, ok. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles geste technique, c'est beau. 31 matchs joués avec moi, 8 buts, 6 passes D. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible, mais franchement, il est très très présent sur le terrain en contre-attaque. Vous pouvez toujours compter sur lui, il sera toujours là de toute façon. C'est très bien d'avoir ce joueur dans son équipe. Ensuite, nous avons Samir Nasri, donc le joueur de Manchester City, acheté pour 8300 crédits, donc il vaut un peu cher, mais il en vaut vraiment le coup. 78 de vitesse, 86 de dribble, 39 de défense, 62 de physique, 84 de passe et 76 de tir. 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, il est juste fantastique ce joueur. 5 matchs joués avec moi, 2 buts, 2 passes D, c'est beau, c'est magnifique. Que demander de plus ? Ensuite, mon premier milieu offensif central n'est autre que Rémi Cabella, qui est juste fantastique, hein, le joueur de Newcastle. Donc 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique aussi, acheté pour 4300 crédits. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, mais il en vaut vraiment le coup. Et donc 5 matchs joués avec moi, 0 but, 1 passe D, donc c'est vrai que c'est pas terrible. Mais franchement, sur le terrain, il est présent. J'ai trouvé qu'il loupait un petit peu devant la cage, il loupait pas mal. Sur les clips, je sais plus si j'ai des clips avec lui. Donc 84 de vitesse, 84 de dribble, 76 de tir, 65 de défense, 57 de physique, 77 de passe. C'est juste des stats magnifiques. Il est juste énorme ce joueur, rien à dire. Ensuite, le dernier milieu offensif central de cette équipe n'est autre que Lallana. Adam Lallana, donc il est juste énorme ce joueur. C'est pareil, 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique. Dommage qu'il n'ait pas les 5. 1400 crédits, donc acheté pour 1400 crédits, franchement c'est donné à ce prix là, il est juste fantastique. 27 matchs joués, 9 buts et 11 passes D, donc il est juste magnifique, hein. 72 de vitesse, 83 de dribble, 71 de tir, 49 de défense, 67 de physique et 78 de passe. C'est juste le milieu offensif ultra complet de cette équipe. Rien à dire sur ce joueur, c'est juste une tuerie. Et en buteur, je viens de l'acquérir il n'y a pas longtemps, c'est bien sûr Edin Dzeko de Manchester City. Donc acheté pour 5000 crédits, normalement il vaut entre 5500 et ça peut monter jusqu'à 7000, je crois, crédits sur Xbox. Donc franchement, j'ai fait une très très bonne affaire aux enchères. Donc 5 matchs joués avec moi, 8 buts, 0 passe D, mais bon, il est plus buteur dans cette équipe. 71 de vitesse, 78 de dribble, 84 de tir, 39 de défense. 36 de défense, pardon, 71 de physique et 69 de passe. Il est juste monstrueux ce joueur, il est juste monstrueux. Donc voilà, ce squad builder est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis peace et je vous laisse avec les clips. Allez, ciao. Yeah. Hey everybody, my name is E-Double, their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me. Yeah. Like Paisley, my mama told me, yeah, yeah, come on. My mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this so-called life they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way and strong enough that yeah. I can shake the pain. Hey, Mr. Sunshine, Mr. Rainstorm, meet me in the conference room, we need to bring.
brainstorm, need some middle ground, need an even keel, but you reward, pick a size, give me fever chills, take them both like my flu shot broke, I need to give and take to keep me out of that moat, my head above water, thoughts of those lost this week, all the tragedies say on repeat, like we can't shake shit, I can't speak on it, fist to the sky, but I can't beat on it, drinking my cup, so I'm gonna sip on them, Cam Newton's probably pissed, you can't stiff on them, all these levels of these relative problems, and benevolence is elegance for those who can solve them, I'm feeling pretty low, like I'm stuck at the bottom, but I know I'll rebound like the Bulls with Rodman. I am just exactly what I will be, just a guy who can rhyme and chop ill beats. One day I'll recover from what ails me, till then I'm on that fuck with the sales beat. My mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way and strong enough that I can shake the pain. They talk about death, we tryna live life, while they signal says left, but they really going right. But who cares, they got nothing to improve upon. Meanwhile we pass them fast lane Rubicon. So let the shit storm ring, and they try to dab us up, but we just leave them hanging. Yeah, so let them catch up with the language. They can talk shit, but you know that we can manage. They say they tired of the metaphors, they are only pissed that they never really ready for them. So go ahead and get ready for them. Pop another bottle, cause you're gonna need a steady arm. It's like we living in the Tron game. Lines are all blurred cause we're sipping on the Bombay. John Stock versus LeBron James. No competition when you factor in the time change. Babe Ruth sucks. Fuck what the books say. I can strike him out with three pitches in an arm sling. Yeah, and we can do anything. Mama said it's true and I'll put that on everything. My mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way and strong enough that I can shake the pain. We don't ask for the doors to close in this life, so we hoping they keep them open. And if they shut those doors, we'll smash the skylight till it's broken. Let's smell the roses, need to take that time to find our own road. So we focused on what's golden, and our gold don't shine. It's not from no mind, so we're not just living for a token.